Sadhguruji, then what is it? Okay, so for all of us, how do we live our days? What is the best way to just go about it? Give us in clear, simple sentences, do this and you will be at least on the way to being blissful or happy or aware or living in a nice conscious way. Si simplement vous observez, si chacun fait un petit effort, chacun prenez un peu de temps pour ce fragment de vie, d'accord? Pas pour votre famille, pas pour votre carrière, pas pour autre chose, juste pour ce fragment de vie. Donnez-lui un peu de temps, car c'est le fragment de vie le plus important de votre vie, n'est-ce pas? Oui ou non? Même si vous êtes amoureux de quelqu'un, malgré ça, ceci est le morceau de vie le plus important, n'est-ce pas? Alors, prêtez un peu d'attention à ceci. Comment est-ce que ça a lieu? Pourquoi pensez-vous que ça va de soi? Croyez-moi, vous ne serez pas ici pour toujours. Je vous souhaite une longue vie, mais vous allez tomber raide un jour. Oui ou non? Alors, ne pensez pas que ceci va de soi. Si vous vous réveillez le matin, demain, si vous vous réveillez le matin... Ce n'est pas mon souhait, mais je veux que vous sachiez, de tous les gens qui iront au lit ce soir, plus d'un million ne se réveilleront pas demain matin. Et demain, si vous et moi nous nous réveillons demain matin, n'est-ce pas une chose fantastique? Un million de personnes ne se sont pas réveillées. Vous vous êtes réveillés, n'est-ce pas merveilleux? Regardez simplement le plafond et souriez. Vous êtes encore en vie. Vous êtes encore là. Et pour des millions et des millions de personnes, quelqu'un qui leur est cher ne s'est pas réveillé. Alors, vérifiez juste pour ces 5 ou 6 personnes autour de vous, ils se sont tous réveillés. Waouh, c'est une journée fantastique. Vous vous êtes réveillés, et tous ceux qui comptent pour vous autour de vous se sont réveillés. N'est-ce pas une journée fantastique? Vous ne pensez pas? Vous ne semblez pas le penser. Car le problème est juste ceci. Vous vivez avec l'idée que vous êtes immortel. Lorsque je dis « vous êtes immortel », ce n'est pas que vous pensez vraiment que vous êtes immortel, mais vous n'êtes pas conscient de votre mortalité. Si vous n'êtes pas conscient de votre mortalité, quelque part, vous pensez que vous êtes immortel, n'est-ce pas? Combien de fois dans la journée êtes-vous conscient que vous êtes mortel? Si vous êtes conscient, auriez-vous le temps de vous plaindre? Auriez-vous le temps de vous disputer avec quelqu'un? Auriez-vous le temps de faire des bêtises avec votre vie? Si vous saviez, si vous étiez conscient que vous êtes mortel, vous ne feriez rien d'autre que ce qui est absolument nécessaire pour vous et tout le monde autour de vous. Si vous faites cette seule chose, si juste vous vous rappelez, ne pensez pas que c'est une chose négative. La mort n'est pas une chose négative, c'est la seule chose qui ajoute de la valeur à votre vie. Si vous étiez ici pour toujours, vous seriez insupportable. N'est-ce pas? Ne sommes-nous pas contents que tout le monde meure un jour? Si vous devenez juste conscient de cette seule chose, que vous êtes toujours conscient que je suis mortel, vous n'avez pas à penser « je vais mourir aujourd'hui », ce n'est pas notre intention, nous voulons vivre aussi longtemps que possible. Simplement, vous savez, un jour je vais mourir. Si vous êtes juste conscient de cette seule chose, vous deviendrez naturellement spirituel. Chaque jour, chaque instant, si vous vous rappelez, cette vie est brève, je suis mortel, un jour ce sera la fin pour moi. Faites juste ça 2 jours et voyez, vous deviendrez quelque chose de vraiment fantastique en vous-même. Juste, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Si vous voulez connaître la valeur de la vie, sachez simplement que c'est un événement bref.